La croix de notre Seigneur Jésus-Christ est un outrage, mais c'est pour nous notre chemin vers le salut. À travers les âges, combien de dévotions ont été développées par les pèlerins, par les fidèles, pour commémorer les trois dernières heures de Jésus sur la croix. Une de ces dévotions, c'est les Treore, les sept dernières paroles de Jésus sur la croix. Et moi, j'ai eu le privilège, en Vendredi Saint 2016, de prêcher dans la cathédrale de Seattle, à Washington, aux États-Unis, cette dévotion. Et maintenant, vous pourrez procurer ce livre qui contient les méditations, les réflexions, pour vous aider à entrer plus profondément dans le mystère du salut de notre Seigneur, le salut qu'il nous a offert à travers sa souffrance, à travers la croix, un chemin qui nous guide à la résurrection. Les sept dernières paroles de Jésus nous aident à revivre les derniers moments de Jésus et à nous rendre compte combien il nous a aimés.